Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit week-end vlog aujourd'hui puis demain. Puis ben dans le fond, pour faire un petit retour sur cette semaine, après que Livia se soit remis de sa bronchite, ben ça a été à mon tour d'être malade. Fait que pour être bien honnête, cette semaine, j'ai passé la semaine un peu à moucher puis à filer so-so. Mon chum a travaillé deux nuits cette semaine. Ben il a travaillé, je pense, dans la nuit de mardi à mercredi. Puis de travailler dans la nuit de jeudi à vendredi, puis de vendredi à samedi. Fait que là, on est brûlé. Ça a l'air de rien, même si je me lève pas pour travailler. Moi, ça me dérange quand même, tu sais, le téléphone sonne dans ma chambre. Puis, ben, veut pas, ça me réveille. Puis là, après ça, ben, dans la nuit, il vient se faire un café. Il rentre, il repart, il vient se coucher, il repart. Fait que, tu sais, ça dérange quand même un peu mon sommeil, là. Fait que je vous cacherai pas que je me sens comme vraiment fatiguée ces derniers jours. Fait que notre plan de la fin de semaine, c'est faire le carré de sable des filles. On va mettre tout le module au complet dans le fond, dans le sable. Fait que ça va être à peu près ça notre plan de la fin de semaine. À soir, on va peut-être aller souper chez mes parents. Sinon, c'est ça, vraiment prendre ça relax, là, se reposer parce que Oli il a travaillé en fou cette semaine. Puis ça nous a toutes brûlées. Puis c'est ça, on va avancer quelques petits trucs sur le terrain. Fait que, ben là, je vais retourner dehors avec Zozo. Puis ben, je vais vous reparler plus tard. On va-tu voir les chevaux? Oui! On va continuer d'avancer le trou. Puis là, nous, on va aller voir les chevaux. Hein? Il s'est approché de nous, on dirait qu'il nous a vus. Regarde, ils vont s'approcher, gars, ils sont curieux là. Il y a une fille et un garçon? Oui, comment tu sais? Regarde! Tu peux les soit pas les flatter! Hello. Ils sont beaux, toi! Hein? Tu veux-tu le flatter, va? Vas-y, approche! Approche, flatte-le, il va être doux! Il va faire des douceurs avec toi. Mais non, faut pas t'aille peur, mon amour. Ça, ils mangent du foin. Ils sont beaux, hein? Mais non, il est gentil. C'est bon, hein? Non, non, bien. Oh, t'es bien. La fille? La fille? Comment tu sais que c'est une fille? Elle a des cheveux longs! Ah ben oui, c'est vrai qu'elle, elle a les cheveux longs. Puis l'autre, il a les cheveux courts. C'est comme ça que tu as décidé que c'était une petite fille et un garçon? Ouais! T'es bonne! Hop là! Wow! Ça va? Oui! Les chevaux du voisin, ils sont tellement beaux, puis ils sont full fins. Ils viennent manger dans notre main, puis chaque fois qu'on s'en va les voir, là, ils viennent tout le temps sur le bord. Tu sais, leur enclos est quand même gros, là. Puis chaque fois qu'on va les voir, là, ils viennent tout le temps nous voir, ils sont super fins. Puis c'est ça, Zo a trip sur les chevaux. La pelleteuse! Regardez ça! Piu, piu, piu. On a fini d'enlever la pelouse, fait que mine de rien, on a encore enlevé un bon carré. Ça a 25 par 30 de large, fait que quand même un bon espace. C'est l'espace qui est recommandé, puis en même temps, le module est quand même gros. Puis si on veut qu'il y ait un espace pour plus carré de sable, mettons, si on dit ça de même, ben je pense que c'est l'espace comme idéal. C'est ça, là, Oli est allé chercher les morceaux de bois dans le fond pour faire le carré de sable. Puis après ça, il va nous rester à faire des voyages de sable, mais je sais pas si on va avoir le temps de faire ça aujourd'hui parce que le vent vient de se lever, comme on dit. Puis je pense que ça annonce la pluie parce qu'il faisait super soleil. Puis là, ben comme vous pouvez voir, hein, c'est pas mal rendu nuageux. Fait que là, pendant qu'il mouille pas, je vais en profiter pour ramasser mon linge sur la corde, pas me faire pogner. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a installé à matin.
parce qu'on a mangé des hot dogs sur le barbecue. À matin, les filles se battaient pour les chaises parce que vous savez c'est quoi, hein? Ils veulent tout le temps genre la même chaise. Je vais fermer la porte pour réveiller Livia. Livia fait dodo. Je viens juste d'aller vérifier qu'elle dormait. Puis c'est ça, vous savez c'est quoi les enfants, hein? Quand il y a une chaise, ils veulent comme toute la même, comme par hasard. Fait que on a installé la petite table. Regardez ça, c'est beau. C'est comme un petit set de table pour les enfants. Puis ben, dans le fond, ça venait avec les deux chaises vertes qui sont genre vraiment trop mignonnes, soit dit en passant. Regardez ça, les petites grenouilles. Puis ben, dans le fond, les deux autres chaises, on les avait eues dans le fond à part. C'est dans le fond, nous, on les avait eues en cadeau. Puis ça, c'était mes soeurs qui m'avaient acheté ça au shower à Zoélie. Fait que genre Zoélie qui va avoir 4 ans, il était comme un peu temps qu'on l'installe. Mais là, à matin, c'est ça, les deux se battaient pour s'asseoir sur cette chaise-là. Personne voulait l'autre. Puis on a fait deux heureuses en titi. Fait que je vais tout de suite ramasser mon lavage avant de me faire pogner. Puis ben, je vais vous reparler plus tard. Mais beau sourire! Waouh! T'es belle! Hey, dis-toi que le module soit là, là, ça prend de la place pour jouer dans le carré de sable. C'est parfait, moi, je trouve. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est dimanche, fait que je vous ai pas reparlé hier. Dans le fond, parce que la dernière fois que je vous ai filmé, on était en train de faire le carré de sable. Fait qu'à un moment donné, c'était juste l'heure d'aller à notre souper. Fait qu'on a comme arrêté, on est parti. Puis à matin, pouvez-vous croire, mes enfants se sont levés à 9h. Avant, ça n'arrivait jamais qu'ils se levaient tard. Puis ben en fait, Livia là. Puis hier, ben dans le fond, c'est ça, on est allé chez mes parents, comme je vous avais dit. Puis on est revenu comme à 10h30, peut-être ici, fait que les enfants sont couchés plus tard. Puis à matin, c'est ça, on en a profité, fait qu'on s'est levé tard. Après ça, ben on a clenché un petit peu le ménage, là, genre j'ai ramassé, passé la balayeuse, passé la mop, passé une brossée de lavage, clenché une coupe d'affaires. Puis là, on continue notre carré de sable, fait que là, on a fait un petit pique-nique dehors, puis je vais vous montrer ça, le carré de sable, de quoi ça a l'air. On a un voyage de sable de fête. Oli dit qu'on va en avoir besoin de peut-être 6-7, peut-être plus. Oli, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Fait qu'Oli a fait son premier voyage, mais il en reste quand même pas mal encore, là. Si vous pouvez voir, c'est vraiment pas la majorité qui est couverte. Livia! Livia! Salut! Ouais! Bon, le module. Le module. C'est pas l'étape la plus facile, ça. Ben ouais, je ferais peut-être juste ce petit bout-là, là. Que ce soit plus égal, puis après... Première étape du module. On a démanché des morceaux, puis là, il va rester à le placer. Tadam! Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble! Que je vais vous faire un petit tour rapido là. Mais on a comme installé le petit truc de pelle juste là. Puis on a essayé de le centrer pas mal. Mais c'était pas si évident que ça à déplacer. Il a fallu que j'aide un peu un lit puis qu'on s'ajuste. Parce qu'au début on avait comme on l'avait centré mais comme sans la glissade. Ça changeait comme toute la donne. C'est ça, c'est à ça que ça ressemble, mais je suis bien contente du résultat. Pour ceux et celles qui trouveraient qu'on est un peu intense avec notre big carré de sable puis notre big module, c'est que nous, on est en campagne, hein, comme vous savez, puis les parcs, ils se courent pas à tous les coins de rue. Fait que j'ai pas un parc à 30 secondes de chez nous, là. Tu sais, nous, c'est bien le fun d'être en campagne, là, mais
on n'a rien proche autour. Puis je trouvais que la meilleure solution, c'était de le mettre dans le sable. Comme ça, ça allait leur faire un gros carré de sable en même temps. Puis, ben c'est ça, là, aussi pour tondre, là, nous, là, on n'a pas une belle pelouse, là. On a une pelouse de campagne, là. Fait que, tu sais, là, tondre entre le module, ça aurait été un petit peu de la merde. Fait que je pense que ça, c'est comme notre meilleure solution. Vas-y, faire un beau câlin. Hein? T'entends? Oui. T'entends comment? Oh, il y avait une... Ça va être correct, là? Donne un bisou! On va bien faire se réaliser. Il y a une grève, alors. Ouais, c'est ça! Je sais pas si ça va être Zoe ou Liv qui va le plus jouer avec. Ça va être moi. Ouais, c'est ça. C'était un jouet pour Oli, ça. Tu fais un beau sourire, Livia? Allô? Cache-cache-cache. Coucou. Oui. Coucou. Coucou. Ouais, bravo. T'es belle! Ah, je vais aller voir. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, mais il n'y en a pas tant que ça. Oh, mais c'est un chat de première année. Ah, oh, t'as qu'ici, il y en a plein. Toutes les petites têtes blanches comme ça vont faire des fleurs. Ouais, mais. Puis une fleur fait combien de fruits? Ouais. Un? Mais des fois, zéro. Mettons, là, par tête, il va peut-être avoir de 3 à 5 fleurs, puis il va avoir en moyenne, là, qu'est-ce qu'on peut savoir dans le biologique par tête, en fruits, c'est 1,5 par tête. Fait que s'il y a 3 fleurs, t'as un fruit, ou 2. Ouais. Zoélie! Bon matin! Crazy hair don't care? Bon matin tout le monde! Donc on est rendu mardi. Fait que ben je vous ai filmé un peu ce matin les girls là, à notre réveil. Puis dans le fond hier, pour être bien honnête avec vous, là, c'était comme pas tant une bonne journée. J'étais pas vraiment de bonne humeur. J'avais eu une nuit de marde. Puis comme une matinée qui a un peu mal commencé. Dans le fond, ben je sais pas, Livia, ces temps-ci, là, je suis sûre qu'elle va faire des dents, là, elle fait genre des selles, comme vraiment beaucoup. Puis elle s'est réveillée genre 2 fois, comme à 2h, puis à 5h, puis elle avait fait des caca, puis ben elle pleurait parce que ça lui faisait mal. Fait que tu sais, j'ai comme eu 2 changements de couche à faire pendant que je dormais. Après ça, Zoélie est comme dans une phase de terreur nocturne, comme elle se réveille dans la nuit, puis elle pleure, puis elle dit qu'elle fait un cauchemar, puis là je la rendors. Fait que j'ai comme eu un changement de couche, un cauchemar, un autre changement de couche. Puis, Oli travaillait, dans le fond, en plus, ces temps-ci, il fait froid la nuit, fait que ça gèle au canneberge, comme la semaine passée, sur 7 jours, ça l'a gelé 4 nuits, fait que, tu sais, puis mon chum, quand ça gèle la nuit, ben, il est pas en congé le jour, là, il travaille toute sa journée, puis après, ben, il repart pour la nuit, fait que ça fait qu'il est vraiment fatigué. Après cette nuit-là, il était comme 7 heures, puis là, mon chum était couché sur le divan, parce que ça l'avait gelé toute la nuit. Fait qu'il s'est comme couché à 6h du matin. Mais là, pendant que tout le monde dort, il est comme 7h du matin. Et puis là, genre, tu sais, me dire, tout le monde dort, fait que j'en profite. Moi aussi, je dors. Puis là, le Mexicain, il cogne, genre, à porte, parce qu'il y a des Mexicains qui travaillent sur la ferme. Comme, Oli est dans le salon, fait qu'il se lève comme un peu du divan, mais le Mexicain voit clairement que Oli dort. Mais là, il rentre dans la maison. Pis là, genre, tu sais, c'est comme, tu sais, je comprends que c'était sûrement pas pour mal faire, pis en tout cas, j'essaierai pas de le défendre, pis j'essaierai pas de être pas fine avec, mais là, genre, il est comme, tu sais, vous savez un peu comment ma maison est faite, là, il est comme rentré par la porte patio, pis là, Oli était genre sur le divan, juste ici. Fait que là, il s'est comme rendu jusque dans mon salon, pis là, il y avait comme une question à poser à Oli, mais tu sais, c'est à cause que je comprends que ta question était peut-être pertinente, mais si Oli répondait pas au téléphone, c'est parce qu'il dormait, pis il va te rappeler, genre, dans
15 minutes, une demi-heure, écoute, ça aurait pas été si long que ça qu'il aurait répondu à ta question. Puis là, c'est ça, il s'est comme envenu dans le salon, puis là, il s'est mis à parler à Oli, mais il parlait fucking fort. Fait que, genre, il a réveillé mon bébé. Pouvez-vous croire? Il a réveillé Livia. Puis là, tu sais, j'étais genre, non! Elle a tellement mal dormi, genre. Puis là, genre, il s'est rendu jusque dans le salon, puis il jasait avec Oli. Là, moi, dans ma tête, genre, j'étais dans la chambre, là, j'étais genre, vos gueules, vos gueules, vos gueules, vous allez réveiller mon enfant, c'est sûr. Puis là, genre, il a même pas terminé de parler que j'entends Livia se mettre à pleurer. Fait que finalement, ben écoutez, la nuit était finie, hein, ça a comme scrappé ça là. Je suis la seule, genre, qui était pas normale d'être vraiment fâchée. Pis tu sais, je le sais que c'est pas de la faute à mon chum, là, pis je pouvais vraiment pas y en vouloir. En plus, qu'il avait travaillé toute la nuit, fait que tu sais, en plus, lui, mon chum, tu sais, il s'est couché à 6h, pis ben, il s'est fait réveiller à 7h. Fait que tu sais, il a dormi 1h, ça me tentait juste pas tant de vlogger, pour vrai, ben... Tu sais, j'ai passé une partie de la journée à être fatiguée parce que ma nuit me rentrait vraiment dans le corps. Mais là, aujourd'hui est un autre jour. Je suis encore vraiment fatiguée. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Sérieusement, on dirait que je prends pas le dessus. Puis pourtant, tu sais, en général, je dors quand même bien la nuit. Mais là, j'ai comme un super de gros mal de gorge qui passe comme pas. Je sais vraiment pas ce qui se passe avec moi, là. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre parce que pour vrai, c'est vraiment tannant. Puis c'est ça, je vais faire le montage du vlog, je vais faire un petit peu de ménage, puis ben, ma journée va pas mal ressembler à ça. Donc sur ça, ben je vais vous souhaiter une belle journée, puis ben je vais vous revlogger bientôt. Fait que ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!